saison régulière 2023 des bulletins du Cégep de Victoriaville, alors que les Triades de Lanaudière sont en ville. Ce match est une présentation de Coppers. Un énorme merci pour votre support aux bulletins. C'est le deuxième match de la saison à domicile. Nous sommes très heureux de vous accueillir en si grand nombre pour supporter nos bulletins. Ce soir, nos invités spéciaux sont les mini-bulletins ainsi que les équipes Pee-Wee, Bantam et Mid-Jet et Vicas de Victoriaville. Salutations les boys! Très content de vous avoir dans l'assistance ce soir. Nous sommes très heureux de recevoir au stade Yvon Palais pour ce match de football. La équipe a amorcé d'ailleurs la saison en force en remportant les deux premiers matchs, une victoire de 28-3 contre les Voltigeurs du Cégep de Drummondville et 25-24 la semaine dernière contre les Cavaliers du Collège Champlain-Saint-Lambert. Leur adversaire de ce soir ont aussi gagné leurs deux premiers matchs de la saison. Le premier contre Shawinigan 30-13 et le deuxième contre Drummondville 38-10. C'est donc un match qui promet ce soir, mesdames et messieurs. L'organisation des bulletins, tous les membres du personnel ainsi que ceux de la communauté collégiale du Cégep de Victoriaville souhaitent prendre un moment pour féliciter Mathieu Bergeron, ancien joueur de l'équipe des Bleus dans les mini-bulletins et ancien joueur des Vicas pour son premier match en carrière dans la NFL avec les Falcons d'Atlanta. Félicitations Mathieu pour ce premier match et cette première victoire. Alors, deuxième match à domicile pour les membres des bulletins. Vous avez été très nombreux d'ailleurs au premier match à essayer et à adopter la nouvelle bière aux couleurs des bulletins. On vous remercie pour votre support et on rappelle que la grande famille des bulletins, la microbrasserie L'Ermite, s'associe à la fondation du Cégep de Victoriaville et à sa campagne majeure de financement pour contribuer à leur manière, bien entendu, au projet d'agrandissement et de modernisation du futur centre sportif du Cégep. Maison des membres de plus de 50 ans, il semblait tout naturel d'avancer cette campagne avec un produit à leur couleur. Il est donc possible dès aujourd'hui de se procurer cette bière légère, faible en alcool, issue d'un brassage unique. Bière vendue présentement à 4,50$ la canette ou 16$ pour 4 canettes. Et dans tous les cas, 50 sous par canette seront remis à la Fondation du Cégep de Victoriaville. Pour les 18 ans et plus, maintenant, on tient à préciser, et la maison et les membres vous souhaite bien sûr la bienvenue et remercie leurs partenaires. On vous rappelle que ce match est présenté par Coppers qui sont ici avec nous ce soir sous la tente blanche devant les estrades. Un énorme merci pour votre support au bulletin. Nous en sommes vraiment reconnaissants pour le soutien que vous me donnez année après année. Le match va débuter dans les prochaines secondes. Êtes-vous prêts pour un gros match? Let's
7 week-end. Bien entendu, qui joue à la défense. 3 sacs, 3 passes rabattues et 3 plaqués pour Pat. Thank you.
Marie chez les Briades. Troisième essai. Alors, des joueurs à surveiller du côté des Vulcains, entre autres le numéro 3, Alexandre Gouin, qui est corps arrière, leader de la Ligue pour les Verges par la passe avec 369 et 2 passes à toucher, mais également leader pour les Verges par la course avec 176 verges au sol et 2 touchés inscrits.
elle a été sur le jeu. Elle a été contre les bouquins. Merci à nos partenaires Coppers, Subway, Cactus Escobar, Pharmacie Brunet, Promotion Assurance, Pèlerin Poitre de Gagnon, la ville de Victoriaville, Coop Sco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert et Physio Vito. Suivant, Rivard Lettrage, VF Recycle et Desjardins. Course complétée, suffisant pour le premier essai, Existria. Thank you.
La bière de l'Ermite est en vente au bar et dans les estrades au coût de 4,50 $ l'unité. La IPA, la blanche, la André. La petite nouvelle aussi, la Mauve Pilsner, à 3,5% d'alcool seulement. Donc 4 $16. Je vous rappelle que, bien entendu, lorsque vous achetez la Mauve, il y a des sous qui s'en vont à la fondation du cégep de Victoriaville.
possible présentement d'acheter vos billets de moitié-moitié, 1 pour 2 $, 3 pour 5 $, 10 pour 10 $ et 30 billets pour 20 $. Tiens, pendant qu'on y est, pour casser la côte, si vous avez peut-être une petite fringale pendant le match, la cantine mobile de Nashville avec hot dog, hamburger, poutine, porc et filoché et bien plus encore. Arrêté par la défense.
le troisième essai, Triac. Bonne chance. Bon, maintenant, les matchs la semaine prochaine. Entre autres, vendredi, le 22 septembre, les bulletins hockey vont recevoir le cégep de Lévis à 19h30 au pavillon Jean-Bilbeau. Il s'agit du deuxième match d'une série de trois en seulement 7 jours pour les Mauves. C'est quand même un horaire exigeant, ça. On poursuit le calendrier dans les prochaines minutes. Yeah!
Suivi d'un match des Vulcains soccer masculin qui affronteront eux aussi les Diablos à 20h30. Sera suivi du match des soccer, des Vulcains soccer masculins qui affronteront eux aussi les Couleurs à 15h. Assurance, Pèlerin Pas de Vincagnon, la ville de Victoriaville, Coaxco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert et Vision Victo. Maintenant, regardons les matchs du Vulcain Football. Tout d'abord, notre équipe de football sera sur la route pour le match de la semaine prochaine, samedi 23 septembre. Un peu d'applaudissement, s'il vous plaît, pour le joueur des Triades. Alors, la semaine prochaine, on est sur la route alors qu'ils rendront visite au Griffon du Cégep de l'Outaouais. Le match est prévu à 19h30. Et c'est la première échec et la zone du but pour Vulcain.
hockey jouera un deuxième match en l'autre soir. Ils seront du côté de Thetford la semaine prochaine. Ils affronteront le filon de au centre Renault pour venir à 10h30. Et en terminant, le flag football féminin jouera un tournoi à Shawinigan. Les joueuses des bulletins affronteront Shawinigan à 11h30 et Saint-Hyacinthe à 13h au complexe sportif René Perron. De nos bulletins et des matchs locaux. 30 septembre, c'est dans deux semaines, ça, 19h30. On affrontera ici même au Stade Montparé les électriques du cégep de Shawinigan. Ce match sera une présentation de Subway. Et le dernier match de la saison, samedi 14 octobre à 13h, un match présenté par Meuble RD, alors que les bulletins affronteront les voltigeurs du cégep de Drummondville. Et pour cette rencontre, on aimerait d'ailleurs rassembler tous les anciens footballeurs qui ont déjà porté les couleurs des bulletins lors de notre homecoming dans le dernier match de la saison. Ici même, local, samedi 14 octobre, 13h, avec les anciens bulletins. Demandez un applaudissement, s'il vous plaît, pour le joueur des Triades. Le Coppers, merci aussi à nos autres partenaires, Subway, le Cactus Restaurant, Pharmacie Brunet, Pro-Mutuel Assurance, Pèlerin Podrin-Gagnon, Ville de Victoriaville, Corpsco Victoriaville, le Restaurant Saint-Hubert, Pizier Vito, Rivard Lettrage, BFEC et Desjardins. Pour 10 ou 30 pour 20.
Deuxième essai, Bulgare. Nicolas Lebel. Troisième essai, Bulquin. Il est blessé sur le jeu. On rappelle que la bière de l'Hermite est en vente au bar et dans les estrades au coût de 4,50$ l'unité. Nous avons la IPA, la blanche, la ambrée. Et la petite nouvelle, la mauve, le Pilsner à 3,5% d'alcool. Il y a un spécial sur la mauve à 4% pour 16$. Ça aussi, c'est intéressant. Nous avons du Visi aussi en 4 saveurs. Et la Simply Spike en 3 saveurs au coût de 4,50$. Du Twisted Tea aussi également à 4,50$. Et deux sortes de cocktails sans alcool. Pour ceux qui veulent avoir... l'impression de faire le party, mais pouvoir reconduire les invités par la suite, alors à 5$. Bon applaudissement s'il vous plaît pour le joueur des triades. Et on va prendre le troisième essai chez les Vulcains.
existe. Thank you.
ce match est une présentation de Coppers. Merci à nos partenaires Subway, Texas Restaurant, Pharmacie Brunet, Pro Mutuelle Assurance. Un applaudissement s'il vous plaît pour le joueur des Triades. Gagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco, Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Fusil Vito, Rimard Lettrage, BF Recycle et Desjardins. La pénalité contre les bulletins, deuxième essai, bulletin.
été sur le jeu. Et de modernisation du futur centre sportif du Cégep. Maison des Mondes depuis plus de 50 ans, il semblait tout naturel d'avancer cette campagne avec un produit à leur couleur. Alors la bière des Mondes, on vous en parle depuis le début du match, bien que vous pouvez acheter au coût de 4,50$ par canette ou 16$ pour 4 canettes et 50 sous par canette sera remis à la fondation du Cégep de Victoriaville. Et d'ailleurs, si vous voulez boire la fameuse bière des Vulcains en dehors des matchs, il y a possibilité, elle est disponible en canette aux bières et saveurs du terroir, au restaurant L'Ermite, au Cactus Restaurant, ainsi que plusieurs autres points de vente dans la région. Une autre belle façon d'encourager vos membres, go Vulcain Go! Thank you.
Passe incomplète. Il est blessé sur le jeu. Ce match est une présentation de Coppers. Merci à nos partenaires Subway, Cactus Restaurant, Pharmacie Brunet, Pollution Assurance, Pellerin Potin Gagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Physio Vito, Rivard Lettrage, PF Recycle et Desjardins. Numéro 11 chez les Triades, Louis-Alexandre Levine. On reprend le deuxième essai et diverge à pour les bulletins avec 29 secondes au deuxième quart. C'est le moment d'acheter vos billets moitié-moitié si vous ne l'avez pas déjà fait. 1 pour 2$, 3 pour 5$, 10 pour 10$ et 30 pour 20$. Et on passe dans les estrades présentement pour la bière de la ville, entre autres, en vente, non seulement en bar, mais dans les estrades au coût de 4,50$. IPA blanche ambrée, la petite nouvelle, la mauve, à 4,50$ ou 4 pour 16$. Nous avons du Visi aussi en 4 saveurs et la Simply Spike aussi en 3 saveurs au coût de 4,50$. Twisted Tea également à 4,50$ et deux sortes de cocktails sans alcool à 5$. Contre les Vulcains.
capable de faire loin. Là, on va peut-être dans les prochaines minutes, le jeu de la mi-temps sera consacré au mini-vulcain et au Vikas. On va les inviter d'ailleurs à descendre sur le terrain dans les prochaines secondes. Alors, c'est important d'avoir des gens dans les estrades pour les encourager fort. Il y a un ballon de 402
gagnant. Pendant, on retient Zachary, notre gagnant. Plus fort que ça. Zachary, ton élastique. T'as ton élastique. Donne-moi ça. Donne-moi ton élastique. Est-ce que t'as gagné? Ok, c'est bon. Les figurines à ça. Vous pouvez mettre les élastiques quand vous avez lancé dans le panier. On recule de 5 verges pour les pee-wee. OK! Et c'est loin. On y va, les gars. Chante un peu. On est rendu au pee-wee, les gars, attention, on y va, c'est parti. La force est des balles. Là. Oui. Et d'un. Oh, c'est un petit peu fort. C'est pas loin. Un petit peu. Est-ce qu'il reste encore des pee-wee? Excellent. Oh! C'était presque ça. Est-ce que tous les pee-wee ont passé? Tous les pee-wee ont passé? Ben, je pense qu'on a un gagnant. Le numéro 21. Ton nom? Nicolas, notre gagnant, mesdames et messieurs! On fait du bruit! Bravo, Nico! Ah, les gars qui ont lancé, venez vous chercher un leech. Leech, j'ai vu le temps. Ça vous est donné. Venez vous chercher votre cadeau. On veut que d'accord? OK. Attention. Prochain groupe. Ok, on peut y aller. On se concentre. Danser. Ah! Ben oui, c'est presque ça. Loin. OK? Ah!
Ok les boys, on va faire un tirage après, on vous invite à vous lancer. On va faire un tirage avec tous ceux qui ont lancé. Dernier groupe, et là le moins, on amène son sang. Ah ouais? J'aime ça, les gars sont conquis. Hercule ça! Ok, let's go! Pas facile! La ligne blanche, les boys! T'es pas loin! Ah! La force était bonne! Lui 431
On a un gagnant. Ton nom? Malcolm, les bonnes applaudissements pour Malcolm, s'il vous plaît. Ok, on se dépêche chez Boys. On en va, dernier groupe. On vous donne une dernière chance. On y va, c'est parti, attention. Thank you.
merci d'être avec nous ce soir et d'encourager les Mauves. Merci aussi à nos partenaires Sandoué, Cactus, Restaurant, Pharmacie Lunet, Pro-Mutuel Assurance, Pellerin-Port-Vingagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Physio Vito, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins. Pour vous procurer vos billets du moitié-moitié, 1 pour 2 $, 3 pour 5, 10 pour 10, 30 pour 20, à l'achat de plus de 20 billets. Normalement, vous donnez un mini-ballon football pour jouer au jeu. Cette semaine, ça fait quelque temps de laisser place aux jeunes. Peut-être qu'au prochain match, vous aurez la chance, bien entendu, de jouer. Êtes-vous prêts pour un troisième et quatrième quart, mesdames et messieurs? Et 10. Tria.
course complétée. Troisième essai, Drian.
Ballon sorti à l'extérieur, son premier essai est 10 trial. Ce match est une présentation de Coppers. Thank you.
La pénalité contre les Bulletins. Et ce sera premier essai. Premier essai et 10 pour les Bulletins.
Passée complète. Deuxième essai, Vulcain. Chez les Triades, Zachary Malouin, ce sera deuxième essai. Thank you.
Rivière, Provincial National, Saint-Rémy-Patrick-Gagnon, la ville de Victoriaville, Coatico Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Visio Vito, Vivant Lettrage, BF Recycle et Desjardins. Bon, un applaudissement s'il vous plaît pour le joueur des Triades. Après le match de ce soir, il restera deux matchs à domicile le 30 septembre, le 19 octobre, dans deux semaines. Les Lutins vont affronter les Électriques du Cégep de Shawinigan, un match présenté par Saboué. Et le dernier match de saison, samedi 14 octobre, en après-midi à 13h, un match présenté par Meubles RD, alors que les Lutins vont affronter les Voltigeurs du Cégep de Drummondville. Et pour l'occasion, on veut rassembler le maximum d'anciens joueurs des Lutins. Passe complétée, et c'est bon pour le premier essai, et 10, Ria. Oh!
match est une présentation de Coppers. Merci à nos partenaires Subway, Quetus, Restobar, Pharmacie Brunet, Promutuel Assurance, Pelerin Poitvin-Gagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert, Fizio Vito, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins.
essai, Lutin. Deuxième essai.
et 10 triangles. Thank you.
Le restaurant Saint-Hubert, Visio Vito, Rivard Lettrage, BF Recycle et Desjardins. Thank you.
Troisième essai triade. La défensive a besoin de vous sur le terrain. Escobar, Pharmacie Brunet, Pau Mutuelle Assurance, Pèlerin Potvin-Gagnon, la ville de Victoriaville, Coopsco Victoriaville, le restaurant Saint-Hubert et Visio Vito.
Course complétée chez les bulletins. Troisième essai. Thank you.
le bulletin. Thank you.
compléter. Et c'est bon pour un premier essai. We're checking.